Allons à l'épée de bois voir l'enfant de verre. Le rendez-vous théâtre. Au début, tout le monde cherche Olive. L'enfant de verre, c'est l'histoire d'une famille. La grand-mère, le père, la mère, les deux filles. Chacun a sa bizarrerie, apparemment sous contrôle. Quand l'aînée se marie, elle donne à sa cadette une mésange de verre qui se transmet de femme en femme, depuis des générations. Mais voilà, la fête du mariage prend fin avant le dessert, la mère a eu une crise de folie. Et le lendemain matin, la mésange est cassée. Lise, c'est la cadette, celle qui a disparu, celle qui a cassé la mésange de verre. L'enfant de verre, c'est une pièce sur les secrets de famille, ceux dont on ne parle pas, qui finissent par tout détruire. Oui, une de plus. Pourquoi aller voir celle-là? Pour l'univers imaginé par Léonore Confineau, Géraldine Martineau et Alain Bâtisse. Un univers allégorique. Le verre, c'est transparent, ça casse facilement, et quand c'est cassé, ça blesse profondément. Pour l'interprétation de Blanche Sautou, elle joue Liv, elle est magnifique, elle est bouleversante.